Aujourd'hui, nous allons parler d'un saint de l'Église, un saint du nom de Charbel Marlouf. Alors, c'est un saint libanais qui vécut au XIXe siècle et qui fit des miracles extraordinaires. Jusqu'à aujourd'hui, on en recense près d'une centaine. Eh bien, notre saint homme est né dans un village situé en altitude. C'est même le village le plus hautement situé en altitude au Liban, à plus de 1600 mètres. C'est un village modeste qui fait face à la fameuse forêt des cèdres du Liban. Alors, notre Charbel Marlouf est né un 8 mai 1828 de son père Anton Marlouf et de sa mère Brigitta. Et il fut le 5e enfant d'une famille composée de 3 fils et de 2 filles et receva, comme la tradition l'exige, le 8e jour le baptême. Et donc, le 8e jour après sa naissance, il reçut ce baptême dans l'église Notre-Dame, l'église de son village, où il reçut pour nom de baptême Youssef, c'est-à-dire Joseph. Et pour ceux qui auront vu les vidéos précédentes, ils diront, comme frère Stéphane, et comme un certain saint du nom de Saint Namitoula El Ardini, qui fut un de ses professeurs. Alors, il est d'une origine modeste, mais la famille Marlouf faisait malgré tout partager à leurs enfants une foi sans faille, autant dans le travail manuel que dans la piété. Alors, rappelons que la famille de Saint Namitoula fut bien plus aisée que celle de notre saint homme, Saint Charbel. Mais cela n'a pas empêché la piété et la vocation des enfants des deux familles. Quand Dieu appelle, il appelle. Et que la personne soit pauvre ou très riche, nous avons notamment plusieurs exemples, ne serait-ce qu'au Liban, de personnes qui pourtant étaient des chanteurs connus, avaient une vie où l'argent ne manquait absolument pas, qui du jour au lendemain ont quelquefois tout vendu, tout donné, et qui se sont mis à une vie monastique ou à une vie de prêtrise. Eh bien, nous verrons ce qui s'est passé justement avec notre Charbel Marlouf. Eh bien, on rapporte que les parents de notre petit Charbel étaient très assidus à la prière et à la présence à la messe, qui était, selon leur dire, le minimum de la dévotion. Combien aurons-nous besoin de personnes comme ça aujourd'hui pour nous le rappeler? Sa maman jeûnait presque tous les jours de sa vie. C'est ce que nous rapporte en tout cas le biographe de la famille. Et elle récitait le chapelet quotidiennement, sans exception. Alors un soir, alors que le petit Charbel Marlouf n'avait que 3 ans, la famille fut surprise par un homme qui tapait violemment à la porte de la modeste maison. C'était un soldat de l'armée qui venait réquisitionner le père de famille pour une mission de transport de matériel de l'armée, à cause de l'envahissement des troupes égyptiennes au sud du Liban. Alors, évidemment, toute la famille est bouleversée de cette nouvelle. Elle qui avait tant besoin du père de famille qui veillait et travaillait pour leurs besoins. Alors évidemment, le père, comme l'ensemble de la famille, tenta de refuser cette demande. Mais les soldats n'ont rien voulu entendre. Ils ont aussi tenté de repousser l'échéance, de lui donner un peu de temps. Et il utilisait comme argument, le père, le petit enfant qui n'avait que 3 ans, qui était notre petit Charbel Marlouf, et qui disait « Mais regardez cet enfant, il n'a que 3 ans, il a besoin de moi, comment puis-je le quitter ?» Eh bien malheureusement, les soldats n'ont rien voulu entendre. Il fallait y aller, et il fallait y aller le lendemain, à la première heure. Et donc le lendemain, il partit. Et c'était l'une des dernières fois qu'il voyait le petit Charbel et l'enfant, l'ensemble de sa famille. Puisque, quand vint son père, à son retour, il tomba gravement malade et succomba presque immédiatement à sa maladie. Il connut une mort tragique,
Et c'est son oncle Tanyos qui allait devenir le père adoptif, donc l'oncle de Charbel Marlouf. Et donc, à l'âge de 7 ans, nous avons un petit récit qui nous est rapporté, que le petit Charbel accompagnait un petit groupe d'enfants qui faisaient sonner la cloche un jour de fête. Comme ils ont une coutume au Liban, nous avons un grand clocher avec une grande corde épaisse où les petits enfants, mais pas trop petits non plus, puisque souvent la corde, comme le clocher, sont lourds et épais. Alors ils sautaient en se tenant à la corde, et ceci faisait sonner la cloche. Alors, voyant le petit Charbel faire cela, son beau-père était touché. Et il était justement le curé de la paroisse. Et il l'invita à tenir l'encensoir et à la balancer à la manière des prêtres lors de la messe. Ce qu'il fit négligemment au départ, et ce qui lui valut des réprimandes. Mais il se rappela appeler que c'était en l'honneur de la Vierge Marie qu'il faisait cela. Et donc il fit cela avec plus de précaution. Et on nous rapporte même qu'à la fin de la messe, il mit un petit peu d'encens dans sa poche en secret pour pouvoir la réutiliser pour lui. Tant il aimait cette ambiance que procurait l'encens qui brûle dans la messe. Et donc, dès l'âge de 10 ans, le petit Charbel chantait l'office en syriaque, selon la plus noble tradition liturgique maronite. Après avoir appris cela à l'école, qui était justement mitoyenne à l'église même. Vers l'âge de 14 ans, de par son attitude déjà un peu marginale par rapport à ses camarades, il recevait déjà des moqueries où il était surnommé le saint. Ses camarades ne savaient pas ce qu'il disait, ils ne savaient pas si bien dire. Ils étaient en quelque sorte à ce moment-là des prophètes. Alors, ils allaient quelquefois même jusqu'à le suivre lorsqu'il priait, en se moquant de lui, tandis que lui ne bronchait pas. Il priait, et certainement qu'il priait aussi pour ses camarades. Cette grotte où il se rendait pour prier déjà si jeune est devenue à ce jour la grotte du Saint. C'est vers l'âge de 16 ans que le petit Charbel se rend compte de la sublimité de la vie monastique que ses propres oncles vivaient. C'est dans le même temps que Dieu l'appelle à mener cette vie et de communier complètement avec lui. Il entendait cette voix en l'intérieur de lui-même qui disait « Quitte tout, suis le Christ ». Alors, entre cette paix intérieure et extérieure, et la vie extérieure pleine de disputes politiques et sociales, le jeune Charbel continue son chemin vers Dieu, ou plutôt, le chemin de Dieu continue à travailler dans le jeune Charbel. Un peu plus tard, alors qu'il travaillait, le jeune Charbel perd sa chèvre, ou du moins certains disent qu'il pense l'avoir perdue. Alors, il se retrouve dans la forêt des cèdres à chercher sa petite chèvre. Il y va. Il l'appelle. En parcourant ces lieux prestigieux, il finit par trouver une petite chapelle creusée dans un tronc millénaire du cèdre du Liban. Il se met à genoux à l'intérieur et il prie. Soudain, il se met à entendre une voix qui lui dit de nouveau « Quitte tout, suis-moi ». Mais cette fois-ci, ça semble être une voix extérieure. Et donc au début, le jeune Charbel pense que cet appel venait de l'extérieur, et donc il se met à regarder, à demander qui l'appelle. Mais en fait, c'est toujours la même personne qui est en train de l'appeler. C'est Dieu, sauf que cet appel n'est plus un appel intérieur, comme c'était arrivé un peu auparavant. Mais cette fois-ci, c'est un appel extérieur. Et évidemment, ce jour-là, le jeune Charbel le comprit, et il dit oui à Dieu. Alors, il se met chaque soir à quitter sa maison pour aller assister au coucher du soleil tout en priant le Seigneur. Sauf qu'il ne prévient plus sa maman. Pas qu'il ne l'aimait pas, mais était réticent vis-à-vis de la rétraction que pouvait avoir son beau-père Tanyos par rapport à cette vie monastique qu'il appelait et auquel il aspirait. Et il avait bien raison. Nous verrons un peu par la suite pourquoi. Alors, nous étions un bon matin de 1851 où le jeune Charbel quitte véritablement cette fois-ci sa maison pour continuer sur sa voie vers Dieu. Il part sans carte, sans provision, sans préparation et sans même prévenir sa famille. Vers la fin de la journée, il a faim, il a soif
Il est fatigué. C'est à ce moment-là que se présente le tentateur, l'ennemi de Dieu, qui lui souffla ces mots. Où vas-tu, Youssef? Au couvent? Et ta mère, tes frères, tes sœurs? Tout le monde t'aime beaucoup, Abika Fakra. Mariam surtout. Tu es jeune et fort, et l'avenir t'offre tant de roses. Pourquoi donc aller stupidement ensevelir ta jeunesse dans un cloître sinistre? On peut se sauver dans le monde. Renonce. Reviens. Tout le monde te bénira. Mais le jeune Cherbel n'écouta pas. À l'école, auprès de ses oncles, à l'église, on lui avait déjà dit, à tous ces endroits-là, de se méfier du tentateur, de celui qui ment depuis l'origine et de ne pas l'écouter. Déjà, ses oncles lui disaient que seul Dieu est le vrai bonheur et qu'il fallait le chercher. Cela suffisait au jeune Cherbel. Il n'avait pas besoin de plus que cela pour continuer sa route et ne pas céder à la tentation du malin. Une fois arrivé au monastère, il se dépêche de se rafraîchir le visage avec de l'eau de la fontaine qu'il a bu abondamment. Et c'est à ce moment-là qu'un des moines le vit, s'approche de lui et lui demande « D'où venez-vous ? » Le jeune Cherbel lui répond « De Bika Fakra. Je m'appelle Youssef Marklouf. Est-il possible, mon père, de voir le père supérieur ?» Alors, cet entretien eut lieu et nous ne connaissons pas vraiment le contenu de la discussion entre les deux hommes qui étaient évidemment à l'abri des regards, mais il est certain que le sujet fut sur la difficulté de la vie monastique. En effet, c'est une vie qui était rude, difficile, et la préparation pour celle-ci était encore supérieure, justement, pour être sûr que la personne était prête à vivre cela. Mais notre saint homme avait déjà dit oui à Dieu, et il savait ce qu'il faisait. Mais, comme il était prévu, et comme le ressentait notre jeune Cherbel, cette prise de position n'a pas beaucoup plu à l'oncle Tanios et à la maman Brigitta, qui ne comprennent pas le choix du jeune homme qui était promis à un avenir glorieux. Il l'était effectivement, et il le fut, mais pas de la manière auquel sa famille s'y attendait. S'ensuit une discussion houleuse entre le supérieur et l'oncle Tanios qui s'était rendu sur le lieu et qui lui reproche à ce supérieur, celui qui gère en quelque sorte le couvent, d'être le responsable de cette situation. C'est à ce moment-là qu'arrive celui qui est devenu à ce moment-là déjà frère Cherbel, à qui son oncle dit « Ah, te voilà toi, tu prétends aimer Dieu en haïssant tes parents. Ton devoir, c'est d'être auprès de ta mère et de l'assister. » Et sa maman qui était là disait « Et puis mon fils, qu'est-ce qui te prouve que tu es fait pour cette vocation ?» Avant de dire à voix basse au supérieur « Vous savez mon père, à l'âge de 3 ans, il a perdu son père. Vous ne pouvez pas imaginer combien j'ai souffert pour l'élever. Et maintenant qu'il peut me rendre tout ce que je lui ai fait et m'aider dans la fin de mes jours, le voilà qui part sans même m'embrasser. Et sa sœur Mariam pleure depuis son départ. » Et c'est là qu'on se souvient ce que disait le tentateur. Et c'est là peut-être qu'on se dit, c'est peut-être à ce moment-là le tentateur qui tente le petit Cherbel, puisqu'il rementionne à nouveau la sœur Mariam. Eh bien, c'est à ce moment-là que frère Cherbel répond « Chère maman, cher oncle, je n'ignore rien de ce que je vous dois, ni de la peine que, bien involontairement, je vous ai causée. Mais puisque le Seigneur me veut tout à lui, je ne peux pas, vous ne pouvez pas lui dire non. » L'oncle n'accepte pas la situation, mais la maman finit par l'accepter et prend la main de son fils en lui disant qu'elle est maintenant sûre qu'il est fait pour cela, au vu de sa réponse, et elle le bénit en lui souhaitant tout le bien que Dieu peut lui apporter. C'est donc une première année de noviciat qui démarre pour frère Cherbel. La plus dure étape du noviciat, puisque c'est dans la première année que la majorité des engagés quittent à cause de la dureté, de la difficulté de l'engagement. Mais c'est avec joie que le jeune homme accepte toutes les tâches manuelles et les activités spirituelles. Et Dieu sait combien elles sont nombreuses, entre le chant de l'office
effectuée 7 fois par jour, la menuiserie, le travail dans les champs, la confection de pain, l'apprentissage de la liturgie chorale, etc. Mais surtout, l'obéissance. La seconde année de noviciat se déroule dans le monastère Saint-Marun d'Anaya, plus austère que le précédent. Et c'est en 1853, à la fin des deux années de noviciat, que frère Charbel prononce ses vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. C'est alors qu'il est envoyé au monastère de Saint-Cyprien de Kfifan, où il apprend la théologie dogmatique et morale, et où il lit les textes des pères de l'Église. C'est avec amour que le saint homme poursuit ses 6 années d'études, où il garde en mémoire son modèle, Saint Namitoula El Hardini, de qui il aura appris la pleine dévotion au Saint-Sacrement, à la Vierge Marie et à l'obéissance totale qui mène à une charité sans faille. C'est à la fin de ses 6 années d'études, et donc en 1859, qu'il retourne au monastère Saint-Marun d'Anaya. C'est avec grand amour qu'il effectue chacune de ses messes. C'est avec dévouement qu'il obéit à ses frères et à ses supérieurs. C'est avec persévérance et foi qu'il fait chaque jour son rosaire, son oraison. La vie du saint homme est complètement tournée vers Dieu, qui est l'unique raison de sa vie. C'est lui qui surnomma Marie « Mère des cèdres » dans ses fameuses litanies. Et donc, nous allons relater quelques événements qui se sont déroulés dans sa vie, et deux en particulier de son vivant. Un jour, en 1875, un ermite, auprès duquel le père Charbel se formait à la vie solitaire, décède. L'ermitage étant vacant, le père demande à s'y retirer, mais son supérieur hésite. Il prend sur son bureau un dossier important qu'il remet au père Charbel en disant « Voudriez-vous me faire un rapport sur ce travail? C'est assez urgent. Je vous autorise à veiller si cela est nécessaire. » Le père se retire avec le dossier et passe à la cuisine pour faire remplir d'huile sa lampe qui est vide. Alors, pour lui faire une petite farce, l'un des domestiques remplit la lampe avec de l'eau et la lui rapporte. Alors, notre homme, notre saint homme, allume tranquillement sa lampe et se met au travail. Alors, le domestique est surpris. Il a rempli cette lampe d'eau, et pourtant elle brûle, comme si elle était remplie d'huile. Il court chez le père supérieur, lui avoue sa farce et en décrit le résultat inattendu. Le supérieur se rend chez le père Charbel et lui reproche, malgré l'autorisation donnée, de veiller si tard. Puis il prend la lampe et il regarde. Il constate que la lampe ne contient que de l'eau. Ce fait miraculeux lui sert de signe quant à l'authenticité de la vie spirituelle du père Charbel, qui l'autorise à se retirer dans l'ermitage. Il y vivra 23 ans, ne sortant que pour quelques missions ponctuelles qui lui seront confiées pour le bien des âmes dans la région. Mais alors, il y a un second récit qui se déroule 10 ans plus tard, en 1885. C'est un des pères qui raconte qu'un jour, une nuée de sauterelles, voilant littéralement le soleil, s'abattit sur Anaya et les villages voisins. Et voyant ce terrible danger, le supérieur ordonna à l'ermite Charbel de bénir de l'eau et d'aller en asperger les champs. Tous les champs qu'il put atteindre furent protégés. Les habitants du voisinage aspergèrent les cultures avec de l'eau bénie par lui. Elles furent aussi préservées. Et donc, en reconnaissance, une centaine de personnes se rendront au monastère au moment des récoltes et moissonneront gratuitement les champs des religieux. Et donc, déjà de son vivant, le père Charbel est un lien entre la terre et le ciel. Eh bien, en 1898, donc 13 années plus tard, un 16 décembre, à 11h, revêtu de la chasuble mais tout engourdi par le froid, il monte à l'autel comme le Christ au calvaire. À la consécration, il prend péniblement l'hostie dans ses mains couvertes d'anglures, lorsqu'un malaise le saisit. Son confrère, le père Macarius, s'apercevant qu'il ne peut continuer le saint sacrifice,
l'aide à se reposer un peu. Peu après, l'ermite remonte à l'autel et consacre les saintes espèces, mais le mal le reprend et il ne peut poursuivre. Mais il faut le ramener alors dans sa cellule. Durant 8 jours, le père reste dans une agonie paisible, malgré les souffrances. Il répète les paroles de la messe qu'il a dû interrompre. Ô père de vérité, voici votre fils. Il a subi la mort pour me justifier. Voici l'offrande. Recevez-la de mes mains avec complaisance et oubliez les fautes que j'ai commises devant votre majesté. Et c'est sur ces mots, unis au nom béni de Jésus, de Marie et de Joseph, de Pierre et de Paul, les patrons de son ermitage, que le serviteur de Dieu quitte cette terre pour la patrie céleste, en la nuit, bien heureuse, il faut le dire, du 24 décembre 1898. Et bientôt, juste après, de nombreux prodiges se réalisèrent grâce à l'intercession du père Charbel. Et, bien que 100 de faits sont attribués à son intercession, des faits extraordinaires, il y en a 2 qui ont été retenus comme miraculeux et qui ont servi justement à sa béatification qui a eu lieu le 5 décembre 1965. Et c'est 12 ans plus tard, le 9 octobre 1977, qu'il fut canonisé. Et lors de sa canonisation, le pape Paul VI dit ceci. Le style de vie des ermites n'est pas proposé à tous comme un charisme imitable. Mais ceci témoigne pour leur recherche passionnée de l'absolu, que Dieu vaut la peine d'être adoré et aimé pour lui-même. Il rappelle à toute la primauté de Dieu qui destine chaque homme à la participation de sa béatitude. Que Saint Charbel nous attire sur ce chemin de l'amour, de Dieu et du bonheur. Alors, évidemment, quand on parle d'un saint, il est très difficile de trouver des épisodes de sa vie où on peut déceler des défauts, où on peut déceler des erreurs. Mais nul doute qu'il y en avait. C'est pour cela qu'il ne faut pas croire que les saints sont parfaits, qu'ils sont saints du début de leur vie jusqu'à la fin. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un devenir, une progression. Et donc, bien qu'à travers ces vidéos, nous relatons la vie de ces saints, il ne faut pas oublier qu'ils ont fait bien des erreurs. Il y aura même des saints que nous traiterons, qui étaient purement et simplement des brigands, des voleurs, qui sont devenus saints par la suite. Rien n'empêche la sainteté, et il n'est jamais trop tard pour y arriver. C'est un devenir, ce qui implique une progression, un temps d'attente, ce qui implique aussi de chuter, mais de se relever, ce qui implique de faire des erreurs, mais toujours d'être pardonné, puisqu'on pardonne soi-même, et donc d'accepter les erreurs des autres. C'est ce qui amène aussi une connaissance de soi qui est plus profonde, et donc des besoins que nous avons de Dieu. Et quand on a une connaissance de soi, on a une connaissance, par là, du besoin de Dieu et de toute la miséricorde et de la perfection qu'il a mise en nous, que nous devons chercher, que nous devons travailler pour la sanctifier. Et cette sanctification commence dès cette vie. Alors, il ne faut pas croire, quand on raconte ces vidéos, que ces personnes-là sont saintes dès qu'elles sont petites. Il ne faut pas oublier que les personnes qui font les biographies veulent absolument mettre en avant les vertus de ces personnes-là et ils disent la vérité quand ils le font. Mais peut-être qu'à certains moments, ils oublient quelquefois de parler des faiblesses et des erreurs qu'ont fait ces saints et qui ont justement permis à ce qu'ils ne les fassent peut-être plus ou alors, s'ils continuent à les faire, à se rendre compte encore plus de leurs besoins de Dieu et donc de se sanctifier. Parce que se sanctifier, ce n'est pas être parfait, c'est d'être parfait aux yeux de Dieu, c'est-à-dire selon ce que Dieu veut de nous. Et donc, c'est d'avoir un cœur contrit, un esprit humilié, un esprit de repentance et un esprit de pardon envers autrui. Et cela suffit. Même si je dis cela suffit, c'est quand même énorme
c'est quand même beaucoup, mais à la pratique, ça se cultive, ça se travaille, et on peut en récolter de très beaux fruits. Mais il ne faut pas oublier que, parce qu'il y a un esprit de pénitence, ça veut dire qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Parce qu'il y a un esprit de pardon, c'est parce que nous-mêmes, on fait des bêtises et on nous pardonne, alors on apprend à pardonner. Et donc, si ces saints ont fait des choses aussi extraordinaires, ne serait-ce que dans leur attitude sainte, eh bien, ça ne veut pas dire une attitude parfaite. C'est important de le préciser. Une attitude sainte, ce n'est pas une attitude parfaite, mais c'est une attitude qui plaît à Dieu et qui s'améliore. Il y a une progression. S'il y a une progression, c'est que l'état précédent n'est pas meilleur que le suivant, etc. Et donc, nous n'étions pas parfaits. Et même à la fin de sa vie, Saint Cherbel, comme tous les saints, n'était pas parfait. Mais ils étaient à un niveau élevé parce que ils ont travaillé toute leur vie à cela. Cela n'aurait pas tombé entre les mains. Eh bien, maintenant que nous avons relaté la vie de notre saint, qui est énorme, il faut le dire, les livres qui sont écrits sur Saint Cherbel dépassent largement, pour chacun d'entre eux, les 100-150 pages. Eh bien, c'est un résumé, mais c'est un saint qui a des faits de vie qui sont relatés, qui sont gigantesques. Mais il m'a fallu choisir, et je citerai donc quelques miracles, mais je ferai très certainement une seconde vidéo pour parler des autres miracles de Saint Cherbel, tant ils sont nombreux, parce qu'il est très difficile de choisir parmi les miracles qu'il a pu effectuer, puisqu'il faut bien parler des miracles qu'ils ont été repris pour sa béatification, mais il y en a d'autres qui sont encore plus extraordinaires, qui sont venus après sa béatification, ou qui sont venus avant mais qui n'ont pas été retenus, puisque d'autres sont parvenus juste avant et elles ont été retenues justement pour sa béatification. Mais donc, ce qu'on remarque aussi avec ce saint homme, c'est qu'il y a aussi des témoignages de personnes qui ne sont pas chrétiens, et je pense notamment à des musulmans, qui ont attesté que, en demandant l'intercession de Saint Cherbel, ils ont été exaucés. C'est très important parce que ça montre que les saints de l'Église ne sont pas fermés seulement vers les chrétiens, ils se dirigent vers les cœurs contrits. Ils le savent maintenant qu'ils sont dans les cieux, que c'est un cœur contrit qu'il faut et c'est un esprit humilié. Et donc, quand quelqu'un s'approche d'eux de cette manière pour leur demander quelque chose, il ne regarde pas s'il est chrétien ou pas, il regarde l'état de cœur. C'est pour montrer vraiment à quel point c'est un miracle, non seulement en substance, mais aussi un miracle de charité. On ne regarde plus la personne qui est devant nous, et c'est un commandement que Jésus nous avait dit. Il nous dit d'aimer notre prochain. Notre prochain, ce n'est pas notre frère, forcément, en foi. Ça peut être tout simplement la personne qui est juste à côté de nous, qui a besoin de nous, et qui peut-être ne partage absolument pas nos idées. Et donc, je vais continuer en m'en donnant quelques récits sur des miracles de Saint Cherbel, mais avant cela, je vais parler de ce que certaines personnes ont rapporté concernant le corps de Saint Cherbel qui fut conservé. Et donc je donne un témoignage, je vais en donner quelques-uns. Le premier du père Joseph Younes, qui était présent dans le monastère et qui disait: les mains étaient posées sur la poitrine, tenant le crucifix, le corps tendre, frais, souple, sur le visage et les mains, une certaine moisissure blanche comme du fin coton. Quand on essuya cette moisissure, le visage et les mains apparurent comme ceux d'un homme endormi. Du sang rouge mêlé d'eau coula de son côté. Et nous prenons encore un autre témoignage, celui du père Élie Abiramia, qui était contemporain aussi de Saint Cherbel, qui dit: le corps était souple, élastique, suintant de sang frais, sans aucune trace de corruption, comme si l'on venait à l'instant même de le mettre en terre. Mais, comme à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, il est demandé à des médecins assermentés de venir attester aussi. Parce que, bien que cela est visible pour un homme quelconque, que l'état de corps est en parfait état, rien ne vaut, et c'est nécessaire, le regard d'un médecin assermenté. Et donc, la commission ecclésiastique du 16 octobre 1926 mena un interrogatoire sur les examens médicaux auxquels avait été soumis justement le corps de notre saint homme.
Et donc, le père Joseph Abou Younes, qui était donc le supérieur du monastère pendant 3 années, attesta devant la commission « 3 médecins diplômés ont examiné le corps pendant mon supériorat. Ce sont les docteurs Wakim Baik Narkli, Najim Baik et Khouri et Georges Choukralla. Aucun n'a pu expliquer ce fait naturellement. » Et donc, nous avons encore le témoignage d'un autre docteur, qui est le docteur, justement, qui était cité par Joseph Abou Younes, le père Joseph Abou Younes, qui dit, à un moment donné, peut-être avoir trouvé le mystère et découvert quel est ce secret infaillible. Mais en fait, après s'y être penché, il découvre ceci. Il tenta de placer le corps debout dans un placard. Il enveloppa ses pieds de chaux vives. Et il pensait que cela aurait été assez pour absorber le liquide et pour décomposer les membres. Eh bien, en fait, cette expérience-là se révéla vaine. L'état du corps demeura inchangé. Et donc, ce docteur, chrétien mais non pratiquant tel qu'il le rapporte, dit ceci. Je constate que ce corps est conservé par une puissance que ne peuvent atteindre les connaissances scientifiques naturelles. Il n'y a pas de doute que la sainteté du père Charbel y est pour beaucoup. Et donc, comme un témoignage ne suffit pas, c'est le docteur Elias El Onaïsi, donc un docteur qui n'était pas cité parmi les 3 docteurs cités par père Joseph Abou Younes, qui dit ceci. J'ai examiné au couvent d'Anaya le corps du serviteur de Dieu, le père Charbel. J'ai senti une odeur pareille à celle qui émane naturellement des corps vivants. J'ai observé attentivement ce cadavre et remarqué que ses pores livrent passage à une matière ressemblant à la sueur. Chose étrange et inexplicable selon les lois de la nature pour ce corps inanimé depuis tant d'années. J'ai maintes fois recommencé le même examen à des époques différentes. Le phénomène a toujours été le même. Et donc, puisque nous avons aussi le témoignage d'un autre docteur, celui-là par contre a été cité parmi les 3 qu'ils ont assisté à la commission, qui a dit ceci. Le docteur Georges Choukralla examina 17 ans, pendant 17 ans, une trentaine de fois, le corps du saint homme. Eh bien, il dit ceci. Après avoir examiné à diverses reprises ce corps intact, j'ai toujours été étonné de son état de conservation et surtout de ce liquide rougeâtre qu'il sointe. J'ai même consulté de bons médecins de Beyrouth et d'Europe lors de mes nombreux voyages. Personne n'a pu m'expliquer ce fait. C'est un phénomène si unique qu'aucun médecin n'en a sous doute vu de semblable, que l'histoire de la médecine n'en a jamais enregistré de pareil. Je ne me lasse point de rechercher si jamais dans le monde un corps a été conservé comme celui-là. Eh bien, nous allons voir maintenant quelle fut la cause de la béatification, quel fut le miracle qui donna justement la béatification à notre saint homme. Il s'agit de 2 miracles. Le premier, de sœur Marie-Abel, qui était une religieuse de l'ordre des 5 heures et qui souffrait depuis 1936 d'un grave ulcère à l'estomac ainsi que d'adhérence au foie, à la vésicule biliaire et au rein. Elle a été opérée plusieurs fois mais sans succès et son état s'empira de façon dramatique pendant 14 années. Des polypes démesurés profilés sur ses intestins et son estomac, provoquant de perpétuels vomissements. Dans un état de très grande faiblesse, elle ne put bientôt plus marcher. Et, à l'heure de la mort, juste avant l'heure de la mort, au moment où tout le monde pensait que c'était fini, elle reçut l'extrême onction que l'on donne habituellement aux personnes qui sont en fin de vie. Mais elle avait entendu parler des miracles du père Charbel, et elle pria notre saint homme d'intercéder pour elle. La nuit suivante, elle le vit en rêve qui le bénissait. Elle se fit accompagner sur la tombe d'un vieil ermite.
Ce fut pour elle un voyage exténuant. Arrivée devant la pierre tombale, elle ressentit comme une violente secousse électrique tout le long de sa colonne vertébrale, alors que ses lèvres se posaient sur la pierre. Elle demanda à passer la nuit près du tombeau. Et donc le lendemain, après avoir assisté à trois messes et communié, elle remarqua des gouttes semblables à des gouttes de sueur qui brillaient sur la stèle du tombeau. Elle les essuya avec son mouchoir qu'elle passa ensuite sur son corps endolori. Immédiatement, elle se leva et marcha en présence de tous. Sa guérison fut évidemment considérée comme miraculeuse, comme on fait foi, évidemment aussi, les témoins de cette scène, ainsi que les rapports médicaux qui furent établis. Et il y eut un second miracle d'une grande importance, puisque ce sont ces deux-là, celui que je viens de donner, de sœur Marie-Abel, et maintenant d'Iskandar Obeid, qui ont fait que Père Charbel fut béatifié dans un premier temps. Et donc, c'est un forgeron libanais de Brabdet, dans une région du Liban, d'une ville du Liban, qui avait perdu la vue suite à un accident. Il avait perdu tout simplement la vue d'un œil. Et sa pupille, ainsi que l'iris, avaient été détruits. Et donc, après trois semaines de repos sur le dos sans aucune amélioration, l'opération fut décidée par plusieurs éminents ophtalmologues pour éviter la propagation de l'infection à l'autre œil. Et donc, il reste à Borne jusqu'en 1950, année de la profusion des éclatants prodiges d'Anaïa. Et donc, souhaitant aller prier sur le tombeau de Père Charbel, il ne cessait de prier et de communier tous les jours, attendant pour se faire un signe quelconque. Ce signe lui arriva aussi, à lui, en songe, dans un rêve, sous la forme d'un moine qui l'enjoignait de se rendre au monastère où il serait guéri. Il s'y rendit, passa la nuit près du tombeau, et s'en retourna chez lui le lendemain, après avoir assisté à la messe et communié. Il ressentit alors pendant trois jours des douleurs insupportables à l'œil. Mais continuant à prier et à refuser même l'intervention d'un médecin, et à n'avoir confiance que dans la seule intervention du Père Charbel, il resta dans cette situation. Et, de fait, pendant son sommeil, il rêva de nouveau d'un moine qui lui promettait la guérison, après que son œil eut énormément gonflé, ce qui fut le cas en effet le lendemain matin. Lui qui était borgne depuis 13 ans, voyait maintenant avec les deux yeux. De nouveau, plusieurs éminents spécialistes constatèrent sa guérison. Une enquête canonique fut aussitôt constituée et elle en a conclu, tout simplement, le miracle. Et je terminerai par un miracle, et évidemment, je recenserai dans une seconde vidéo beaucoup d'autres miracles concernant notre saint homme, mais je termine par un miracle qui donne aujourd'hui lieu, chaque semaine, à une messe dans un couvent qui porte le nom de cette personne. C'est Mademoiselle Noad El-Chami. Et donc, cette femme était paralysée, mais du côté gauche, de la langue à la jambe, suite à une hémiplégie. Et donc, le verdict était très simple. À ce stade, aucun traitement possible. Elle est désormais grabataire et nourrie par un fin tuyau. Et donc, sa situation est dramatique. Alors, un coton imbibé d'huile sanctifiée à Anaïa, donc le couvent où était notre saint homme, passé sur son côté lui provoqua un jour des fourmillements à la main et à la jambe. Et un soir, elle rêva qu'elle participait à une messe à Anaïa et que le père Charbel en personne lui donnait la communion. Elle le pria alors de toutes ses forces, s'en remettant à sa volonté. La nuit suivante, Charbel lui apparut en songe. À ses côtés se tenaient un autre moine et la Vierge. Il l'informa qu'il allait l'opérer, la massa sur le cou en lui provoquant une vive douleur, l'assit et lui enjoignit de boire et de manger. À son réveil, elle était assise, elle buvait normalement et son bras ainsi que sa jambe bougeaient. Elle se leva alors pour constater que son cou portait de chaque côté deux incisions de 12 cm chacune, ainsi que des points de suture. Le lendemain, elle partait pour Anaïa,
afin d'y prier en action de grâce. La rumeur de sa guérison parcourut le Liban, et des milliers de personnes accoururent pour la voir. Elle eut une autre apparition du père Cherbet lui demandant de lui rendre visite au monastère le 22 de chaque mois pour y assister à la messe. Et donc, depuis chaque 22 de mois, en souvenir de la guérison de mademoiselle Noah d'Elchami, les messes au couvent de Saint-Maroun de Hanaya sont célébrées à plusieurs heures de la journée. Une autre fois, elle enjoignit de réciter le rosaire le premier samedi de chaque mois. Inutile de vous dire que cela donna aussi lieu à un rituel qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Et Sainte Rita, un jour, une autre sainte de l'Église, dont nous parlerons aussi, lui apparut. Elle l'embrassa sur le front et lui dit « Je sais que Saint Cherbel t'a opéré, mais le deuxième moine avec lui, c'était Saint Maroun. » Et donc, nous ferons aussi une vidéo de présentation de ce saint qui est aussi très très connu pour la simple et bonne raison qu'il est le saint qui met en place le système, même si le mot n'est pas adapté, maronite, c'est-à-dire cette formation qui est un courant catholique, mais cette formation qui voulait une vie monastique, qui voulait une vie de travail, de dur labeur, mais qu'en même temps, une vie de prière, une vie d'oraison, une vie de contemplation du Saint-Sacrement. Et donc, c'est par là que sont passés les saints que nous avons cités jusqu'à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Saint Cherbel, la fois d'avant, Saint Namitula, et la fois d'avant, le bienheureux Stéphane Nermé. Et donc, nous ferons une seconde vidéo pour parler d'autres miracles de Saint Cherbel, parce qu'ils sont extrêmement nombreux, et donneront des miracles aussi qu'ils ont été effectués à des non-chrétiens. Et nous ferons par la suite d'autres saints de l'Église, dont évidemment Sainte Rita, Saint Maroun, et d'autres saints qui sont un petit peu moins connus.